Bonjour à tous, c'est Lothar qui vous parle pour une nouvelle live construction. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego City, sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises. C'est la référence 1083, et donc il s'agit, comme vous pouvez remarquer, d'un de ces véhicules un peu camions, voilà, aux alentours de 10-15 euros. Et dans ce cas, eh bien, il s'agit d'un chasse-neige, hein, donc d'une déblayeuse de neige, de tout ce que vous voulez. Et donc, on va construire ça plutôt tranquillement, sans trop se prendre la tête. Et donc, bah, allez, c'est parti. Qu'attendons-nous d'autre, si ce n'est d'ouvrir la boîte et donc de sortir les sachets 1 et 2. Un mode d'emploi qui a l'air d'être plutôt large, ou plutôt épais tout du moins. Et la petite planchette d'autocollant que je vais vous montrer. Donc, comme ceci, parce que je vous rappelle qu'effectivement, dans la construction, on n'aura pas trop le temps de les poser. Voilà. Donc, bon. Je pense qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc un petit nombre de stickers. Le 2, je vais le mettre de côté pour l'instant. J'ouvre le 1 et on va commencer la construction. Donc, de ce petit véhicule. Puis d'ailleurs, donc j'ai eu en tant que cadeau pour exposant lors de ma participation à FestiBrick 2015. Donc bah, merci bien sûr à l'organisation pour ce chouette cadeau. Et je crois que c'est la première fois que j'ai un véhicule de ce genre-là en city. Alors certes, auparavant, j'avais eu les véhicules un peu utilitaires de ville avec le thème du film Lego. Donc, par exemple, souvenez-vous le vendeur de glace, le plombier, ou encore le camion poubelle. Mais c'est vrai qu'en termes de Lego City, c'est la première fois que j'ai un véhicule de cette catégorie-là, si je puis dire, c'est comme ça. Et on va commencer par la figurine tout d'abord. Et forcément, c'est une figurine qui porte des lunettes, vu qu'à peu près toutes les figurines Lego City ont des lunettes. Et il vient avec sa petite casquette qui est d'ailleurs, oh, ça, elle a un trou. Donc c'est la même dimension que pour mettre les accessoires Lego Friends visiblement, donc c'est assez rigolo ça. C'est nouveau aussi, enfin c'est nouveau pour moi tout du moins. Et donc voilà la figurine qu'on aura. Alors bien sûr, en mode ultra sombre, c'est pas génial. Voilà, vous devriez voir un peu mieux à quoi ça ressemble. Pas d'imprimé sur le pantalon, ni sur l'arrière du torse. C'est vrai qu'au final, les figurines Lego City ont eu un peu plus mal que les figurines des autres thèmes Lego qui, elles, souvent ont quand même des. On a quand même pas mal d'imprimés différents et assez variés et détaillés. Alors que là, on reste quand même du classique. Allez, donc je crois qu'on est parti pour la construction. Laissez-moi juste le temps, là encore, de régler le focus et c'est parti. Donc on va commencer avec une fois 4, comme ceci. Donc plaque, voilà. Voilà. Et voilà, donc une fois 4 noires. Ensuite, on enchaîne avec une fois 4 briques, cette fois-ci grise foncée, qui plus est avec 3 trous techniques, comme vous pouvez le voir. Donc on verra après s'ils seront mis à bon escient. Encore plus, effectivement, vu qu'après on va prendre cette pièce-là, donc comme quoi c'est une pièce particulière, avec des trous techniques sur les côtés et une sorte en fait voilà, des petits éléments au milieu qui permettent, si vous voulez, de mettre en place un petit mécanisme. Et d'ailleurs, ça va pas trop tarder parce qu'effectivement, après avoir mis à niveau la pièce avec une fois deux, on va directement prendre des petites roues dentées beige, comme vous pouvez le voir, donc que je vais caser ici, donc qui vont pile poil s'enclencher, et ensuite je vais passer une barre de 8 à ce niveau-là, comme ceci. Puis la pièce beige, et ensuite eh bien, je vais commencer à recouvrir avec une des couleurs principales du modèle, à savoir le vert. Et à l'arrière, quitte à faire, je vais mettre une barre de 2, comme vous pouvez le voir ici. Donc une barre cruciforme en technique, voilà, que je vais enfoncer en fait, si vous voulez, eh bien, dans la pièce beige. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre des 1x4. Ah bah non, même pas en fait. Qu'est-ce que je fais là? Je me trompe carrément. Non, je vais continuer avec mes pièces, voilà, redentées, beige à ce niveau-là. Puis, de la grande brique, comme on peut le voir, de la 1x12, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. De la 1x12, avec là encore les trous circulaires.
Excusez-moi, ouais, faut faire juste un peu de place sur mon bureau pour le mode d'emploi. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je le mets de côté. Je le mets de côté pourquoi? Eh bien, pour prendre une fois 4, là encore, format plaque. Ensuite, une pièce un peu spécifique qui est une fois 2, avec, comme vous pouvez le voir, un petit connecteur pour mettre une boule, enfin une pièce avec boule dedans. Ça, eh bien, je vais le caser à nouveau à une pièce comme ceci. Sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas de pièces avec des roues dentaires ou quoi que ce soit, non. On va directement utiliser les trous circulaires sur les côtés pour caser des pièces micro-miron beige. Donc comme ceci et comme cela de l'autre côté. Vient ensuite une fois 4 verte, brique, et une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir relier mes deux éléments ensemble. Et donc là, au final, je pense qu'on a une base avec ces pièces-là qui serviront pour les roues. Étrange, hein, je ne pensais pas qu'on aurait des sortes de roues articulées, mais ça se trouve, le mécanisme s'arrête pas là. On verra bien avec la suite du modèle. En attendant, une fois 4, mais gris cette fois-ci, et comme peloir avec des tenons à l'avant, suivi par deux pièces garde-boue, je vais dire ça comme ça, qui d'ailleurs sont assez hautes par rapport à la croche des roues qui est ici. Si c'est bien la croche des roues, normalement ça devrait être ça, hein. Vu que des fois je me trompe souvent, mais là je pense que c'est ça. Vient ensuite les 1 x 6 en brique, là encore, suivi de une 1 x 4 en brique, comme ceci. Puis garde-boue à l'avant, et là, comme on peut voir, avec au final assez peu de pièces, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez dense, d'assez massif en très peu de temps. À nouveau, cette pièce-là à l'avant. Et puis à l'arrière, je prends donc une 4x4, comme vous pouvez le voir, qui a juste une rangée de tenons, 4 au total, donc comment dirais-je? Oui, qui a juste une rangée de tenons finale sur la pièce, quoi. Le reste est entièrement lisse. Puis, je vais continuer un peu avec des 1x4, comme ceci. Ensuite, je mets ça de côté, je prends une 2x6, comme vous pouvez le voir, qui a les tenons. Sur les côtés, comme ceci, sur un côté d'ailleurs, et je mets des petites pièces une fois une pentues, comme ça, hop, voilà, et pièces grises foncées, comme ceci. Je continue à bosser là-dessus avec ensuite, eh bien. Alors, par contre, je pense que, ouais, je vais mettre une pièce 1x4 et que je n'ai pas remarqué, voilà, c'est ça. Une pièce 1x4 verte, dessus du blanc et ensuite des 1x2 avec une partie lisse, comme ceci. Voilà. Et normalement, là, il y a autocollant hein, ici, ici et là. Donc la plaque d'immatriculation est là sur les autocollants avec les parties hachurées rouges et blanches. Enfin, hachurées, ouais, oui, hachurées. Voilà. Donc comme ceci, maintenant, on va continuer à bosser sur la partie supérieure avec une grosse pièce 6x6 qui va aller pile poil là où il y a les trous. Donc rien d'incroyable là-dedans. Hop là. Puis de là, une fois une. Comme ceci. Ensuite vient pour faire l'avant, enfin le lien entre l'avant et l'arrière, des pièces une fois deux comme peloir avec un trou circulaire qui va vers le haut, donc à ce niveau-là, et au milieu une fois deux noires. Ensuite je case une fois six beige comme ceci. Et oula, d'accord, ça par contre je ne connaissais pas. Alors une pièce un peu particulière comme vous pouvez le voir. C'est une pièce entre guillemets qui est creuse dans le sens où c'est pas une brique mais on a à l'intérieur qui a une sorte de vide. Et sur les côtés, comme vous pouvez voir, on a des pièces, on a trois tenons. Donc très étrange ça. Et donc ça on le met ici. Puis avec des 1x4. Ok, je ne connaissais pas du tout cette pièce, c'est assez intéressant. Je me demande comment elle est utilisée dans d'autres modèles, tiens. Bien ensuite les portières, donc petite portière ici et là, c'est toujours plaisir ça, parce que comme ça on peut un peu les ouvrir, ça rajoute des détails à l'ensemble et un peu plus de réalisme entre guillemets. Vient une fois de bleu ainsi qu'un petit volant. Et par contre là visiblement pas de siège, donc pour le réalisme,
La figurine, elle va juste un peu, voilà, être sur du solide, du concret, mais pas spécialement très confortable. On va enchaîner avec trois pièces 2 x 2, comme vous pouvez le voir, qui sont pentues. Hop là, à ce niveau. Et ensuite, eh bien, on aura une fois. Non, on aura même plusieurs 1 x 2. Plusieurs 1 x 2 noires et 1 x 4. Voilà, comme ça, on a bien tout recouvert. Normalement, sticker à ce niveau-là. Et petite tasse qu'on va mettre ici. C'est toujours rigolo comme détail et assez intéressant, je trouve. La petite vitre qu'on va mettre à ce niveau-là. Hop là. Comme ceci. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a des petites pièces d'accroche, donc 1 x 1 sur les côtés. Puis des pièces 1 x 2 comme pelure avec tenon à l'avant. Hop là, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la pièce. Un peu sombre. Ok, donc là c'est un peu la fête, donc déjà on va avoir pas mal de petites pièces 1 x 1 rondes, lisses, transparentes. Puis ensuite, je vais prendre ces pièces-là, donc comme pour 1 x 2 avec une petite pièce à clip, côté mâle, je mets une pièce pentue 1 x 2 en longueur, et donc ça me sert à avoir des rétroviseurs. Qui est plutôt cool. Ensuite, je prends cette pièce-là, là 1 x 6, et je vais mettre 3 pièces 1 x 2 orange transparente, comme ceci. Je mets ça là. Et voilà, là j'ai fini au final la cabine de mon camion. Et par contre, la construction, elle, n'est pas encore finie. Je vais utiliser ces trous-là pour caser, eh bien, les pots d'échappement. C'est une pièce que j'avais beaucoup à l'époque. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas une, c'était pas une accroche technique circulaire, c'était une accroche diamètre main de figurine, si je ne dis pas de bêtises. Donc, entre-temps, ils ont changé pour rendre la pièce un peu plus compatible avec le reste des pièces Lego. Une fois 6, ensuite, avec, eh bien, une pièce blanche, lisse, et des petites lumières, donc rouge et orange, que je vais mettre là, et ça, bah, ça va aller, vous en doutez bien, enfin, peut-être pas, à l'arrière, donc comme ceci. Et normalement, là aussi, un sticker de plaque d'immatriculation. J'ai ensuite l'accroche pour les roues. Donc, attendez, que je me trompe pas, d'accord, c'est dans ce sens-là, parce que je vous rappelle que les. Ces parties-là, donc, hein, les jantes ont une partie entre guillemets pleine et l'autre qui est creuse. Donc, il faut savoir laquelle va où, dans quel sens on la positionne. Et donc, voilà qui est fait ici et là. Ça s'est fait comme ceci. Après, je vais les donc enfoncer au niveau de mes barres. Et je crois que c'est bon. Ok, d'accord. Comme ceci. Et ensuite, oh bah, d'accord, okay. Là, comme vous pouvez voir, j'ai encore les barres qui ressortent. Et donc, pour remédier à ça, je vais prendre des petits écrous que je vais mettre là, juste ce qu'il faut, et ici. Attention à juste les mettre dans le bon sens. Voilà, comme ça. Et donc, voilà ce que j'ai pour l'instant, mais c'est pas terminé, effectivement. Vu que je vais prendre des éléments gris, alors, par contre, le cheveu, là, il va se mettre en arrière. Donc, comme on peut voir avec une pièce carlingue 2 x 4, suivie d'une 1 x 2 noire, donc une plaque, et puis va venir une pièce à clip 1 x 1, ainsi qu'une pièce 1 x 1, comme ceci. Ensuite, je mets la 2 x 4 lisse, avec normalement un autocollant dessus, et à l'arrière, je mets
cette pièce-là. Donc une pièce 2 x 2, comme vous pouvez le voir, hein, avec tenon au-dessus et des barres circulaires qui vont vers le bas. Une fois que j'ai ça, eh bien, je le positionne. Alors ici, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, au milieu. Donc ce qui rend maintenant les parties latérales de mon camion un peu plus massives. Voilà. Et normalement, c'est pas fini, il me reste juste une petite pièce en plus à rajouter. Donc voilà, une fois une avec clip, plus 2 x 4 lisse, comme ceci. Et effectivement, sur mes clips, eh bien, je vais caser d'un côté un balai. Donc ça, c'est le balai ultra. Bon là, il a quand même quelques années au compteur, celui-là. Mais il fonctionne toujours aussi bien en tant que balai, hein, tu me diras. Quoique, je ne sais pas si le bout, ils ne l'ont pas aplati, parce que souvent, les pièces comme ça, de base, elles avaient une sorte de bout qui était un peu arrondi, ce qui fait qu'on ne pouvait pas spécialement bien les enfoncer en certains tenons à trous, entre guillemets. Et depuis, là, par exemple, comme ceci, là, qu'on peut voir, le bout est arrondi ici. Et donc, je ne sais pas si le balai, c'était déjà comme ça auparavant, ou s'ils ont, ils ont modifié le moule de la pièce. Bref. Par contre, c'est moi, j'ai fait une. Ah, d'accord, ok, c'est bizarre. Sur un côté. D'accord, en fait, c'est. Ouais, excusez-moi, juste 2 secondes. C'est que c'est pas en fait entièrement parallèle. Sur un côté, en fait, on a la petite pièce à clip qui vient après la 1 x 1 circulaire. Voilà. Donc comme ceci. Et donc ça, c'est pour le premier sachet, voilà ce qu'on a, donc un camion plutôt solide. Et donc maintenant, on va pas traîner plus longtemps que ça, hein, on va directement passer au second mode d'emploi, non. Au second sachet de pièces. Et oui, en pièces restantes, il vous restera, donc comme vous pouvez voir, sur des 1 x 1, ainsi que 2 petites pièces techniques avec un écrou et une roue dentée beige. Voilà. Hop là. Et donc là, en fait, le sachet numéro 2 va se constituer de 2 éléments, un qui va aller à l'arrière du camion et l'autre qui va aller à l'avant du camion. Et donc, on va commencer par une 4 x 8 avec l'élément qui va aller justement à l'arrière du camion. Donc, je mets ça comme ceci. Ensuite, je prends ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc qui sont assez particulières, enfin, assez spécialisées, du moins. Donc, un peu une sorte de forme, un peu de triangle avec plusieurs rangées de 4 tenons, aussi bien à l'arrière que sur les côtés. Donc ça, c'est du x2. Je le mets ici et je mets des 4 x 8 à ce niveau-là. Hop. Ensuite, je mets des 1 x 4 comme on peut le voir pentus. Hein. Et puis de la 2 x 3 comme ceci. Donc pentue grise. Hop là, je retourne. Je vais faire pareil, je suppose. Ouais, bah, on est bien. Le parallélisme, c'est bien. La symétrie aussi. C'est mes amis. Donc, je vais continuer comme ceci. Au final, en assez peu de temps, j'ai quand même utilisé une majeure partie des pièces du sachet. Hein. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est fait. Voilà. Donc, au revoir, merci d'être passé. Je vais ensuite prendre donc une 6 x 8 cette fois-ci. Caser des pièces 1 x 8 lisses sur les côtés, comme vous pouvez le voir à ce niveau. S'en suivra des pièces pentues 1 x 2, grises là encore. Donc là, on va rester, je pense, dans le gris et l'orange pour ce dernier sachet. Donc plus de vert à l'horizon. Donc voilà ce qu'on a. Ensuite, alors, par contre, autant avoir un fond propre. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais mettre ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, mes 2 tenons vont s'accrocher sur les 2 accroches qu'on a là, comme ceci. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc, oui, c'est plutôt fonctionnel, hein. C'est assez simple, plutôt fonctionnel. Je prends ça et je le mets ici. Et logiquement, à quoi qu'encore, ça accroche bien. Hein. Mais ouais, comme là, on a une grosse partie lisse. Ça fait que il n'y a que 2 x 3 plus 4 tenons qui restent maintenus en place. Voilà.
génial, Kevin, parce que comme on peut voir, il n'est pas vraiment en longueur, en fait, il est plus en hauteur, il est vraiment très compact et j'aime bien la forme. Enfin, je le trouve assez mignon comme ça. Juste un peu petit, et c'est assez intéressant. Bref, maintenant on va passer eh bien, à autre chose. C'est plutôt logique. On va prendre une 4x4, puis une 2x2. S'en suivra une 1x2 comme peignoir avec une barre mâle. Ensuite, je case la 2x2 lisse et courbée et des 1x4 comme vous pouvez le voir orange pentu. Sticker ici et là. Puis, je prends la 2x2 avec la partie micro-miron. Et donc ça, c'est une pièce d'interconnexion. Le micro-miron beige. Et ensuite, donc pièce blanche 2x3 avec accroche à clip. Et normalement, là, il y a un sticker avec la petite flèche bleue. Donc, en fait, qui vous dit déblayeuse en cours, passer, si vous voulez doubler, passer par la droite, un truc comme ça, obligatoirement. Après, hein, je ne m'y connais pas non plus trop en panneau de signalisation. Et puis donc cette pièce technique qui va avant tout servir en fait non pas vraiment comme une véritable pièce technique pour une articulation avec une roue crantée, hein, roue dentée plutôt, mais plus pour servir un peu de pied au véhicule je suppose. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, c'est étrange. Donc effectivement je vais prendre ça, et puis ça, je vais le mettre ici. Et donc en fait si, j'ai n'importe quoi, regardez ça en fait. Je disais, ouais, il n'y aura pas de mécanisme et tout de roue dentée, mais si, en fait, il y en a un. Il y en a un qui vient se caser ici. En fait, quand vous tournez la roue, ça tourne aussi. Donc, je suppose que c'est peut-être aussi pour nettoyer l'arrière de la route, peut-être. C'est peut-être assez étrange, oui. Bref. J'ai encore un peu plus raconté n'importe quoi. Mais oui, effectivement, voilà, quand le véhicule roule, la roue roule aussi. Et donc, je suppose que ça influe sur le nettoyage de la route et l'enlèvement de la neige. À défaut de trouver un meilleur bout pour ça. Donc. Maintenant, on va prendre une grande pièce orange, comme vous pouvez le voir. On est au moins dans du 12, là, 2x12, effectivement. 2x12, suivi sur les côtés de pièces 1x2 avec une accroche à clip femelle qui va vers le haut. Ensuite, là, 1x2, noir. Hop là. Et donc, voilà maintenant ce qu'on a fait. Hein. On a enchaîné plusieurs fois les mêmes pièces. Et ensuite, ces pièces-là, comme vous pouvez voir, font presque un quart de cercle un peu, hein, au niveau de la forme, avec deux pièces à clip ici et une rangée de quatre tenons à ce niveau-là. Et bien, ça, je vais les accrocher sur les pièces à clip femelles, ça tombe bien. Ils sont faits pour s'aimer. Hop là. Et j'en accroche trois de suite. J'enchaîne avec des pièces comme vous pouvez le voir comme ceci. Hop. Et ça, c'est fait. Hop là. J'ai ensuite des 1x2 avec tenon avant. Et voilà, on va quand même tout regrouper, parce que comme pour ça part pas en tous les sens. Je regroupe tout à l'aide de pièces, donc 1 x 6 lisses, comme ceci. J'ai ensuite des pièces transparentes, circulaires, enfin oui, aussi circulaires, ou rondes plutôt, comme ceci. Un petit sticker ici et là. Et ensuite, on approche de la fin, je prends une 2x4 orange. 1x4 noir, je case ici des pièces 1x2 avec tenon sur les côtés et ça je le mets là, donc au milieu de ma pièce. Dessus, je case cette pièce-là, donc une 2x2 avec une petite boule à ce niveau-là. Je la coince avec ma pièce orange 1x4 avec deux parties courbées ici et donc ça, eh bien, je vais le mettre à ce niveau-là, donc dans le petit connecteur dont je vous parlais. Plus avant. Voilà. Et donc, comme on peut voir, la pièce a quand même une certaine friction. Hein, donc, on peut la laisser comme ça. Et donc, voilà pour notre véhicule. Maintenant, eh bien, j'ai 15 pièces, deux pièces comme ceci, blanches, donc pour remonter la neige.
Et donc les 15, alors 1, 2, 3, 4, 5, voilà, un premier tiers, 2, 4, 5, hop là, et 2, 4, 5, hop là, comme ceci. Et donc voilà, tout ça à l'arrière. Là, alors la figurine, effectivement, je vais vous la montrer. Alors, donc oui, les seules pièces qui restent sont à nouveau des pièces lisses, rondes, une fois une. Voilà, hop là. Donc par rapport à la figurine, maintenant je vais la mettre dedans. On va faire un petit temps à la rendre et donc on s'arrêtera là, je pense, pour la reconstruction, vu que bah, effectivement on a fait le tour du modèle, un modèle au demeurant plutôt sympathique, comme on peut voir, une construction pas non plus trop compliquée, mais des choses assez rigolotes, comme par exemple le petit mécanisme ou encore la base qui est quand même assez surélevée, je trouve. Donc un bon petit modèle. J'ai vraiment le côté un peu camion, hein, peut-être même sans la grosse pelle à l'avant. Parce que ça fait vraiment le côté vraiment, voilà, un peu en hauteur, plus vraiment compact. Et c'est une forme qui est assez sympathique, je trouve. Vraiment rigolote. Donc comme ceci. Voilà, trois quarts arrière. Avec effectivement maintenant, bah, quand je roule, ça fait aussi tourner la petite pièce ici. De derrière. Voilà. Trois quarts arrière. Profil. Et comme ceci. Hop, hop, et donc ça, bien sûr, ça peut bouger. Vous pouvez aussi bouger ça comme ça si vous voulez, mais bon, ça, je pense pas que ce soit fait pour être bougé. Et voilà donc pour notre petit modèle. Je regarde si y a des choses intéressantes à dire, mais je pense qu'on a fait le. Donc on a fait le tour, ouais, on a fait le tour. Et donc, c'est tout pour cette vidéo, je pense. Donc, bah voilà, c'est fini. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions encore à propos du modèle, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et pour le reste, eh ben, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis ceci étant dit, on se revoit plus tard. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.